Oui, j'ai vu. Ah, c'était ta mère? Oui, je l'ai vu. Pas entièrement, mais... Peut-être ton anniversaire? Non, vraiment, c'est un truc, ça? Pas personnellement, mais... Ah, que j'ai un anniversaire? Ben oui. Pancakes, bah ouais, c'est bon, hein, honnêtement. J'en mangerai quand je veux. Honnêtement, j'en mangerai tout le temps. 10? Waouh! Ouais, tu m'étonnes. Des noodles. Waouh, mais ils avaient beaucoup de choses autour de toi. Des voisins? Oui. Oui, je suis dans un petit village, mais oui, j'ai des voisins. Non, c'est pas un truc qui se fait ici. Pas vraiment. Waouh, vraiment? C'est très convivial, dis donc. Non, t'as un grand maintenant. Ouais. Ouais. Un peu, ouais. Probablement. T'as raison. Ok. C'est parti. Salut à tous, on est de retour sur One Shot. La dernière fois, on est arrivé dans la ville, le refuge. L'endroit où se trouve la tour au centre même de la ville. Et on s'est retrouvé face à un problème, l'ascenseur qui nous permet d'atteindre la surface et de nous diriger vers la tour, il est cassé, il lui manque le bouton pour appeler l'ascenseur. Et donc il y a cette personne-là un petit peu louche et un peu stressée qui attend ici en espérant qu'on règle le problème. Mais du coup voilà, on est dans un petit puzzle où on doit courir un peu partout histoire d'obtenir des objets et essayer de peut-être nous fabriquer un nouveau bouton. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et ça, c'est le dernier endroit auquel on est allé, pas encore allé. Bonjour, tu es une horloge. Ouais, comment... Ah, ben... c'est littéralement une horloge, évidemment, qui connaît le temps. D'ailleurs, est-ce que le temps est correct? Non, pas du tout. En tout cas, c'est bien l'après-midi, donc ça, peut-être que ça a une signification. Qu'est-ce qu'on a ici? Une agrafeuse et un rouleau de scotch. Ils sont tous cloués sur la table. D'accord, comme ça, les gens ne peuvent pas le voler. Ok, c'est... oui, normal. On peut les utiliser à notre loisir. Ok, un écran d'ordinateur. Oh hey! Salut! Oui! L'ascenseur, il marche plus! Ouais, il manque un bouton. Oh! Ok. Bon, bah tant pis. Alors, j'ai beaucoup d'objets dans mon inventaire. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose avec tout ça? Fait d'aluminium, 16 coffee grounds. Des aimants. De ciseaux. Ça dit ground dessus. Et le mec il disait que le bouton de l'ascenseur il disait ground dessus aussi. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Est-ce que je peux le découper avec les ciseaux? Ouais, voilà, on fait un bouton avec avec le morceau d'aluminium, la canette d'aluminium. Un rectangle. Comment on va la mettre dans la... Ouais, je sais pas, on va voir. Ok, bah, ouh, pas mal déjà. Nico, il est habile de ses pattes. Il nous a fait une sorte de bouton. Comment on va l'attacher avec les aimants, peut-être? Voilà. Sois créatif, Nico, tu peux le faire.
c'est pas moi. Moi, je fais que appuyer sur des boutons et combiner des choses entre elles, et après, tu fais le reste. D'accord? Ça tient tout juste? Ouais, c'est pas très bien attaché. Est-ce que on peut utiliser le scotch? Ouais, voilà. C'est bon? Ok, je crois qu'on peut pas faire grand chose d'autre. Je crois qu'on a fait le tour là. Ok, donc espérons que ça fonctionne. Oh. On va y revenir. C'est un ordinateur, on sait très bien ce qui se passe avec les ordinateurs. Oh. Une porte? Pour un coffre-fort? Et au-dessus, on a l'air, ça a l'air d'être des numéros, mais c'est éteint. C'est complètement éteint. Ah, ok, ça a l'air très important, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh. Wow. Pas mal. Un petit peu sombre, mais... Ça va, c'est sympa. Mmh. C'est une belle vue, hein. Ouais, ça doit faire beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup plus grand en tout cas. Mmh. Ouais. Mmh. Ah, dans un village. Je peux l'imaginer, mais honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Ouais, ça doit être stressant. Je pourrais pas vivre dans une grande ville, je pense pas. Il y a trop de bruit, trop de mouvement. Puis la nature, c'est bien. Ok, bon, allons voir un peu ce que cet ordinateur a à nous dire. Salut. Ok, alors. Attends, quoi? Une feuille transparente? What? Oh, oh, oh. Ok, ça fait beaucoup de... Beaucoup de nombres. Est-ce que tu peux m'aider? Excuse-moi, mais... Est-ce que je veux un autre conseil? Oui, parce qu'honnêtement, je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Un vide... En dehors des quatre murs... Qui consiste de ce monde. Ok. Ah, je crois comprendre, ouais. Ouais. Il faut le passer à travers et le faire revenir. Ok. Bon, on va tester la théorie. On va tester la théorie. Revenons là. Et on prend ça. Et qu'on fait... Youh ! Et ben voilà, parfait. Oh, on a donc des numéros qui brillent. Alors, faisons en sorte que ce soit un peu mieux centré. Comme ça, ça a l'air pas mal, un peu à gauche. Et voilà. Comme ça, ça devrait être pas mal. Donc, 63014. Donc, on a un mot de passe.
Je sais pas trop pourquoi, mais on verra bien. Ok, je crois qu'on a fait tout le tour. On est allé voir des quatre côtés. Donc, je crois qu'il est temps de... On est allé dormir dans le lit, donc... Ouais. Essayons de mettre le bouton dedans. Croisons les doigts. Hey! Wow! Ok, ça c'est mauvais. Oh, j'ai cru que ça s'était complètement mis en panne. Hein? De quoi, les carrés? Ouais, il y avait beaucoup de carrés sur l'ascenseur, c'est vraiment inquiétant. Oh, vraiment? Ah, le code. J'imagine qu'il s'est réinitialisé un peu. Eh bien, figurez-vous que... J'ai un code de ce genre. Ah. Oui, on l'a, je l'ai le code, mais... Restez là, debout, à rien faire, ou essayez des codes aléatoires. Tiens, mais c'est un peu vite fait. Exactement, ça t'occupera. Raté. Oh non. Même l'ascenseur, il sait ce qu'on est en train de faire. Oh, t'as pas sauté... Please make it stop. T'es en train de sauter des... Non, je crois que c'est par seconde, ouais. C'est chaque seconde qui passe, il essaie un code différent. Donc... Ouais, c'est ça en fait. Donc... si on regarde notre petit papier, 63014, sachant qu'il essaye un code par seconde, en partant de 0, il faudra attendre 63014 secondes pour que monsieur ici présent arrive à trouver le code par hasard. Sachant que dans une heure il y a 3600 secondes, vous pouvez faire le calcul de combien de temps ça pourra prendre. Voyons voir. Si on multiplie ça par 10, ça fait 36 000. 36 000 secondes, ça fait 10 heures. Et là, on est quoi? On est à la moitié à 36 000. Donc 20 heures à peu près, un peu moins de 20 heures. On est obligé d'attendre un peu moins de 20 heures avant qu'il trouve le bon code. Et encore, je me demande même... Je me demande même si il faut lui parler à la seconde près. Genre si tu loupes la seconde et qu'il passe et qu'il saute au mot de passe d'après, est-ce que ça fonctionne ou pas? Bref. Arrêtez de 63-14. Voilà. Parfait, ça marche. Mine de rien, je suis assez curieux de savoir si ça fonctionnerait de le laisser deviner tout seul. Eh ouais. Je suis fort comme ça, moi, c'est tout. Merci. Oui, aussi. Il a l'air un peu bizarre. Genre, il parle d'une manière que... comment dire? Ah, j'essaie de réfléchir. Il parle d'une manière... une façon qui me laisse penser qu'il me croit pas. Genre il dit ah tiens oui le messager c'est ça oui. J'ai l'impression qu'il y croit pas à cette histoire de Dieu et de prophétie. Bref. Hein? Quoi? Oh d'accord. Hein. Oui c'est pas grave, t'en fais pas. On est parti. On s'est éclipsé que quelques secondes. C'était pas très... T'en fais pas. Ok, on y est. Ouh. Yep. Ouais. C'est... Oui, ça prend du temps. Ok, peut-être que finalement il me croit. Peut-être qu'il y croit à ce truc. Uh-huh.
Voyons voir. Tiens, ton boulot, ouais. C'est une bonne question, on y pensait. C'est quoi ton travail? Parce que c'est vrai que t'as l'air très stressé, pressé, etc. Tu répares des lumières? Et tu redonnes du phosphore à des machines, d'accord. Ok, donc c'est le phosphore rouge en soi. Ah oui? Ah bon? Ils deviennent trop vieux peut-être? Waouh! Ah, je suis un peu désolé pour toi, mon vieux. Les scientifiques? Ok. Ah bon, quoi d'autre? Tu sais quoi? Ça, c'est une très bonne phrase. C'est jamais bon signe quand des gens intelligents sont inquiets. Les politiciens devraient prendre l'exemple là-dessus. La ville, tiens, parle-moi un peu plus de la ville. Elle est très grande. Ah bon? C'est plus petit que ça en a l'air? Et c'est très tassé avec plein de gens. D'accord. Ah ouais. D'accord. Donc tous les gens de l'extérieur viennent au refuge. Ouais. Non, c'est pas un paradis, mais. Ah bon, vraiment? Je me demande si c'est en fonction de la proximité avec la tour. Oh, décidément. Chaque région a ses problèmes finalement. Et Terre Désolée, ben il y a le problème de plus d'énergie. Les robots finissent. Il n'y a que des robots et ils sont tous hors service. Le Glen, c'est problème d'inondation. Il y a de moins en moins de poissons, etc. Et ici, ouais. Ok, librairie. J'ai besoin d'aller à la librairie. Ah oui? Ah, oui, pour lire. Quoi, t'es pas intelligent? Oh. Oh, ça y est. On est arrivé. Bah dis donc, c'était long, hein. Fou. Nico, ouais. Ok, t'aurais pu me dire ton nom, mais c'est pas grave. Salut. Et il a l'air très pressé. Yep, t'as bien raison, Nico. Cherchons cette librairie. Oh, salut toi. Bip boop. Oui, bip boop, je suis un robot. Salut. T'es très bien habillé, dis donc. Est-ce que je crois pouvoir réparer le monde avec le soleil? Ouais, je commence aussi à douter un peu, mais. Et qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre? On peut rien faire d'autre. Ah non, ne rejette pas le choix sur moi, s'il te plaît. Ouais. Mais bon, quand même. Ok. Un petit peu. M'a pas vraiment donné son opinion en fait lui. Juste demander est-ce que tu penses que tu peux réparer le monde avec le soleil? Juste demander mon avis, mais il a pas dit le sien. Le sien. Salut toi. Les nouvelles du soir? Non. C'est pour les adultes. Moi je suis pas adulte. Tu sais pas ce que ça veut dire? Voilà, c'est les gens qui sont pas enfants. Ouais. Autre chose? D'accord, des sons bizarres ont été entendus depuis les ruelles. La source est inconnue. Ok, bon, autre chose? T'as l'air d'avoir beaucoup de nouvelles. Ah non, ok. C'est pas grave. Voyons voir, on a des escaliers qui descendent et on a aussi un endroit avec une pancarte là, ouais. Blablabla.
bonne question. On va faire un tour là-bas. Il y a beaucoup trop de chemins qui diffèrent. Ça. Oh. Tu sais quoi, tant mieux. Je suis content que ce soit enfermé. Que ce soit fermé de l'autre côté. Ça me fait un endroit de moins à voir. Oh, salut. Ah, la librairie est juste là, cool, merci. C'est utile. Salut toi. Wow, what? Préférerais que ça s'en disparaisse d'un seul coup, directement. Oh. Pourquoi vous êtes tous si déprimants? Parlez pas du monde comme ça. On est là pour le sauver, je vous signale. Mais techniquement, s'il n'y avait pas d'autre solution, je dirais qu'il a raison. Vaut mieux que le monde disparaisse d'un seul coup, en un seul instant, comme ça, tac. Comme ça, t'as pas le temps de souffrir ou quoi que ce soit. Donc, on est à la librairie. Une plaque sur le mur. Photo de Jean. Salut toi. Wow. Ok, du calme. Waouh. Merci, t'es gentil toi, dis donc. Salut. L'auteur. Ah ouais. T'es un grand écrivain alors. Ah oui. Dernier bastion de civilisation. Waouh. Ok, donc vaut mieux conserver tout ça avec avec sérieux, parce que dis donc. D'accord, donc tout ça c'est que des tout un tas de livres qu'on peut pas vraiment interagir. Oh, un ordinateur qui est éteint. Ok. Salut. Direction Ok, ici c'est les accounts historiques. D'accord. Oh, section enfant, tu sais pas où c'est. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. L'auteur? Non, mais il est là. Ah, non, il est pas là donc. Ah, vraiment, mais il est censé être là? Ah ouais. D'accord. Et il vient pas? Non. Bah, tu sais, peut-être qu'il est juste un peu introvert. Ouais, voilà, peut-être qu'il aime juste pas trop être entouré de gens. Et qu'il aime bien parcourir le monde. Salut les robots! C'est pas grave, Nico, on ne montera pas d'échelle. Ah, vous êtes en train de ranger les livres? Ok. Ça va alors. Notre ordinateur est éteint, et ça c'est que des livres. Ok, mais eh ben c'est une sacrée librairie qu'ils ont ici. Oh, toi tu es une paire de jumelles. Hein? Donc c'est la même... Oh, donc l'auteur est... C'est la même personne. Waouh. Impressionnant. Ah oui? Tu as jamais vu? Je me demande. Je sais même pas à quoi elle ressemble, sa machine volante. Bonjour. Oh. D'accord. Ouais, tu barres certaines sections. La plupart d'entre elles. Pourquoi? Oh. Lui comme, tu veux dire, l'auteur? Ouais. Pourquoi? Oh. Ouais, non, je comprends tout à fait, hein, si tu... Il te pique un peu... Ouais, en plus. Alors ça, là, ça craint, par contre.
Bah, Nico, tu sais, techniquement. Tu vois, ça, là, c'est là que les choses deviennent bizarres. Parce que pour lui, c'est une personne. Et pour nous, en voyant Nico, on voit plus un chat en lui. Une sorte de Neko. Nico, Neko, bon, il y a une similarité là-dedans. Mais je me demande si les chats qu'il a dans son monde sont vraiment des chats. Ou si c'est une toute autre créature. Je sais pas. C'est un peu bizarre quand même, techniquement, quand on y pense. Enfin. Donc apparemment, l'auteur écrit beaucoup de livres sur à peu près tout. Bah du coup, ouais, je comprends un peu sa peine à l'autre parce que dès que tu essaies de parler de quelque chose, apparemment, l'auteur en a déjà parlé ou alors il va en parler et vu qu'il est plus connu. Finalement, ça lui retombe dessus à l'autre. C'est le book club ici. Je sais pas trop, apparemment il voyage beaucoup et il écrit beaucoup. Et apparemment il est très talentueux. Bon. Oh. D'accord. Ouf. Oh. Oh, de la lecture. Oh. Fermez les yeux, les amis. Fermez les yeux, vite. Et de la lecture. Donc, si le phosphore perd sa luminosité, il ne pourra pas être rallumé tant qu'il ne sera pas exposé au soleil. S'il est juste un tout petit peu illuminé, on peut le booster sa luminosité en l'exposant à d'autres phosphores de plus haute énergie. Mais évidemment, même les phosphores boostés ne retrouveront jamais leur luminosité originelle. Oh mon dieu, ok. Le phosphore bleu qui se trouve dans l'éther désolé, oui, ça c'est normal. Un niveau d'énergie modéré. Peut être trouvé en forme organique et minérale. Donc ouais, il se trouve dans le sable des métalliques des terres désolées. Et la forme organique se trouve dans les crevettes. Et leur sécrétion. Ouais. D'accord, il faut les remuer pour qu'elles s'illuminent. Donc c'est un peu comme un truc qui existe vraiment dans la vraie vie. Je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une mer lumineuse où t'as tout un tas de petites bactéries dans l'eau qui s'illuminent quand on les touche. Et la nuit, ça fait tout un tas d'illuminations dans l'eau, c'est joli à voir. Ok, bon, ça c'est fait. Le vert, c'est dans les glens, ça se trouve dans les arbres. Et c'est aussi le plus rare, ce qui peut seulement se trouver en forme organique dans les arbres. C'est la sève des arbres, les lucioles et de la mousse. D'accord. Et enfin, le phosphore rouge qui se trouve ici dans le refuge, c'est celui qui a le moins d'énergie. Ça existe exclusivement en minerai et il ne peut donner de la lumière que quand il est dans une solution liquide. D'accord. Ok, bon. Et une fois que le phosphore redevient cristallisé, se resolidifie, il perd son énergie lumineuse à jamais. Ok, bon. Ça fait beaucoup de lecture. Il y a beaucoup de choses encore à voir, donc on commence à perdre manquer de temps. C'est pourquoi je vais arrêter l'épisode ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine fois, on continue de vérifier la librairie en espérant trouver un indice sur comment atteindre la tour. Alors, salut à tous!